Salut tout le monde, c'est Alexis. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, puisqu'on va parler de la monétisation YouTube. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais YouTube a mis en place une nouvelle politique de monétisation. Avant, c'était 10 000 vues pour pouvoir accéder à la monétisation. Et puis maintenant, là, ils ont durci. Il faut avoir 4 000 heures de visionnage et 1 000 abonnés. Voilà, les 4 000 heures de visionnage, normalement je les ai, hein, donc c'est 4 000 heures de visionnage, pardon, dans l'année. Et par contre, les 1 000 abonnés, j'y suis pas encore. Et donc j'ai reçu un mail de YouTube, comme beaucoup de YouTubeurs, comme beaucoup de petites chaînes, comme quoi j'avais jusqu'au 20 février pour atteindre les 1 000 abonnés et les 4 000 heures de visionnage. Voilà, donc les 4 000 heures, je les ai. Les 1 000 abonnés, j'en suis actuellement à 789. 789 abonnés. Et étant donné que de temps en temps, il y a YouTube qui fait des désabonnements automatiques d'abonnés, qui enlève des abonnés. Donc même moi, parfois, je suis abonné à des YouTubeurs. Et puis, bah, YouTube me désabonne sans me demander mon avis. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut se soutenir entre les petites chaînes. Et puis voilà, quand vous avez quelqu'un que vous aimez bien, bah voilà, de vous abonner. Et puis voilà, moi personnellement, je regarde régulièrement les youtubeurs que j'aime bien. Et je regarde si je suis toujours abonné à leur chaîne quand j'ai pas reçu de notification depuis un petit moment. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être désabonné de chaînes que j'aimais bien. Sans que YouTube me demande mon avis si je voulais rester abonné ou pas. Pouf! YouTube me désabonne. En fait, je ne sais pas si c'est automatique ou si c'est volontaire de la part de YouTube. Mais voilà, bon, après, c'est pas arrivé qu'aux petits YouTubeurs, c'est aussi arrivé des gros YouTubeurs. Mais voilà, donc moi, j'aimerais pouvoir garder la monétisation, même si pour l'instant, bah, je gagne pas beaucoup d'argent. C'est vrai que bon, pour l'instant, j'ai dû gagner que 9 $ depuis que... C'est pas énorme, hein, en soi, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu les annonceurs qui sont partis. Enfin, j'ai gagné que 9 $ depuis que j'ai monétisé ma chaîne, en fait, en totalité. Mais en fait, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le facteur de l'argent qui compte dans la monétisation. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte, et je suis pas le seul à le penser, c'est que une vidéo monétisée est plus mise en avant dans le référencement qu'une vidéo non monétisée. Et ça, ce qui veut... même si on gagne pas grand-chose quand on est monétisé, bah, il y a quelque chose qui est injuste, bah, c'est que les vidéos qui seront monétisées bah, bénéficieront d'un meilleur référencement, et puis celles qui ne sont pas monétisées, bah, et ben tu l'as dans le cululu, quoi. Tu auras moins de chances d'être vu, parce qu'il n'y a pas forcément que la monétisation pour gagner de l'argent. Mais il faut déjà arriver à être vu pour gagner de l'argent. Même si on ne compte pas sur la publicité pour gagner de l'argent, il faut déjà avoir un bon référencement. Et chose que, bah, quand tu monétisais une vidéo, bah, tu avais un meilleur référencement. Parce que, en fin de compte, si tu y réfléchis, c'est assez logique. Parce que Google, en fait, c'est une machine à faire de l'argent. Et bon, ils vont de toute façon mieux référencer la vidéo qui est monétisée. Bah, parce que bah, c'est ça qui va leur rapporter du fric. Voilà, alors que la vidéo non monétisée, elle va rien leur rapporter. Donc, ils vont préférer référencer la vidéo qui est monétisée. Donc, voilà, moi, je fais un appel à vous, hein. Tous ceux qui me suivent, donc vérifiez si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, et si vous ne l'êtes pas, bah, réabonnez-vous, ou abonnez-vous si bah, vous venez de me découvrir et que vous avez envie de suivre ce que je fais. Autre chose, moi ce que j'ai fait mis en place, ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que j'ai créé une chaîne sur YouTube. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description, où vous pourrez vous abonner si vous voulez. Pour justement au cas où YouTube déciderait de me supprimer ma chaîne YouTube, comme je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui sautent en ce moment par rapport à la politique qu'il peut y avoir actuellement. Donc voilà, donc aidez-moi à atteindre les 1 000 abonnés, au moins les 1 000 abonnés avant le 20 février pour que je puisse garder la monétisation sur ma chaîne. Et bah voilà, ça m'aiderait beaucoup. Puis surtout aussi être mieux référencé et réussir à faire grandir un peu plus ma chaîne, hein, parce que ça fait depuis 2015 que j'ai commencé cette chaîne YouTube et j'ai du mal à, enfin j'ai vraiment eu du mal à la faire décoller et tout. Et bah voilà quoi. Donc si vous pouviez m'aider, bah ça serait cool. Et puis voilà. Donc vraiment essayer de, j'essayerai aussi de parler d'autres chaînes qui sont pas connues. Voilà.
Bah sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!